Alors, si on en juge par la, 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 les, les événements de l'année écoulée, euh, le Brexit, l'élection de Trump aux États-Unis, on est effectivement tenté de croire que oui, euh, on, on est vraiment dans un cycle de, de révolution politique portée par le numérique. Vous avez d'une part euh, la portée du discours populiste qui, euh, qui a été considérablement démultipliée par le recours au numérique précisément, réseaux sociaux et euh, sites d'information alternatifs hein, qui, qui surfent sur euh, la vague de, de méfiance, de rejet vis-à-vis euh, -vis des médias des médias traditionnels des, des, et des discours politiques aussi euh, traditionnels. Euh, des États d'ailleurs euh, jouent de, de ce rejet euh, du, de cet aspect mainstream euh, via leurs propres médias en, en amplifiant le, le mécontentement, le ressentiment de ces populations occidentales. Euh, et tout ça polarise grandement, grandement la scène politique euh, dans les pays occidentaux. Euh, une traduction concrète. A été la, la, la multiplication du, du phénomène des, des fake news, ces fameuses fake news, euh, portée par la dimension euh, quasi industrielle euh, de ces fausses informations, par, euh, également par la fragilisation de l'espace public, euh, par les communications mensongères, par les théories du complot qui, qui trouvent un refuge bienvenu aussi, aussi en ligne et également par, euh, par l'essor des moteurs de recherche et des réseaux sociaux euh, comme moyen d'information. Donc plus, plus seulement comme, comme outil et instrument, mais, vraiment, mais véritablement comme, comme moyen d'information. Euh, D'autre part, ce qui est tout à fait notable, c'est que, euh, que c'est Internet en lui-même qui euh, nous impose une révolution politique et socio-économique, euh, politique car les, récents, euh, les, les, récents, euh, les récentes élections en Occident se euh, sont euh, du moins en partie joués euh, sur internet euh, avec des, des, des classes politiques qui, qui savent jouer de, de, de l'outil numérique pour s'imposer et pour imposer leur récit euh, ce qui est tout à fait notable également c'est que on est dans un contexte où le numérique euh, contribue également à rendre obsolètes les partis politiques euh, hérités euh, de l'après-guerre euh, et euh, en même temps révolution socio-économique, puisque euh, le numérique aussi contribue à, à remettre en cause le pacte social euh, tel qu'on l'a conçu également depuis 1945, euh, et euh, avec des conséquences absolument euh, prévisibles et, euh, et substantielles pour l'avenir, la stabilité aussi des, des classes moyennes, avec l'effritement du salariat euh, et euh, la disparition de, de quantités d'emplois euh, classiques. En, en théorie, non, puisque la vision traditionnelle euh, qu'on a en Occident de, de la cyberguerre re, recouvre essentiellement euh, la, la dimension offensive des actions qu'on qu peut mener dans, dans le cyberespace, euh, qui peuvent passer soit par la paralysie de serveurs, euh, par ce qu'on appelle des attaques par déni de service, ce qui ça a été le cas en Estonie en 2007, il y a dix ans, euh, le pays avait été paralysé pendant environ deux semaines à la suite de ces attaques, ça peut passer également par la diffusion de, 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 de virus, vraiment euh, ciblant précisément une, une infrastructure numérique. Euh, ou une infrastructure précise, une infrastructure vitale. Euh, ça a été le cas en Iran par le virus Stuxnet en 2010, où euh, américains et israéliens avaient euh, réussi à, à stopper ou du moins à ralentir euh, le programme nucléaire iranien en infiltrant euh, les ordinateurs euh, qui contrôlaient la vitesse de rotation des centrifugeuses. Euh, Cyberguerre qui peut également passer par euh, la diffusion de, de la propagation de, de, de virus eux euh, sophistiqués et à portée euh, véritablement mondial, euh, ce qui a été le cas du virus PITIA euh, en, euh, en juin 2017, euh, qui visait moins euh, à extorquer des données, c'est le cas classique de la cybercriminalité qu'à saboter et à détruire. Donc on, on est là dans un scénario beaucoup plus redoutable, hein, qui est redouté à la fois par les spécialistes de cybersécurité et l'état-major, euh, un scénario où, euh, où on se trouve dans des situations de, de, de conflits de, de basse intensité qui ne disent pas leur nom. Euh, et quatrième scénario, c'est celui d'espionnage de, 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 informatique classique avec le vol de données, le vol de brevets, etc. Euh, néanmoins, euh, guerre d'information et euh, cyberguerre sont de plus en plus liés puisque les deux, euh, les deux dimensions ont en commun leur, euh, leur objectif, qui est celui de, de, de produire de la certitude politique. Euh, pour certains États, comme la Russie par exemple, euh, je dirais que l'humain est plus important que le code. Autrement dit, euh, la, la dimension cyber euh, est subordonnée à l'aspect informationnel, c'est-à-dire la, pro la, la propagande, la désinformation, euh, ce qu'on a très bien vu lors de l'élection présidentielle américaine. Euh, il ne faut surtout pas sous-estimer euh, non plus euh, l'aspect informationnel dans cette cyberguerre, puisque la rivalité pour le récit, le narratif pèse très lourdement dans la balance stratégique. On l'a très bien vu en Syrie euh, autour de la bataille d'Alep, où euh, la guerre d'information a été euh, omniprésente, euh, puisque les forces pro-Assad ont, euh, ont pratiqué une guerre d'information euh, massive, continue. Euh, C'est une stratégie qui a désorienté euh, les décideurs occidentaux vis-à-vis -vis de la Syrie, euh, et paralyser d'une certaine manière leurs gouvernants. Euh, ce qui est le but ultime de la guerre d'information, c'est-à-dire de paralyser le système de prise de décision. Alors, il faut sans doute distinguer euh, plusieurs types d'États. Euh, vous avez ceux qui, euh, d'une part, euh, souhaitent maîtriser euh, l'Internet à des fins de politique intérieure. Euh, pour éviter que euh, les, les, les plateformes numériques ne servent de levier à leur population euh, mécontente pour euh, coordonner leurs protestations, leur mobilisation citoyenne. Euh, C'est typiquement le cas de pays comme la Chine, euh, qui euh, très tôt a, euh, a su mettre en place un système de censure très sophistiqué euh, et qui contraint les euh, presque 650 millions d'internautes chinois à... Euh, à, euh, à faire des contorsions euh, subtiles pour échapper à, à la cyberpolice euh, du, du Parti communiste. Euh, C'est également le cas de pays comme la Russie et la Turquie, dont les, les décideurs ne supportent pas euh, l'idée de la moindre contestation, euh, et qui euh, légifèrent tous azimuts pour euh, justement contrôler leur propre espace euh, numérique. Euh, vous avez un deuxième, euh, deuxième, euh, deuxième type de pays, euh, des pays qui, soit par euh, méconnaissance du sujet, par maladresse, euh, ou soit par, euh, par le fait que le numérique grignote petit à petit leurs prérogatives souveraines, euh, en viennent à légiférer aussi à tour de bras, euh, que ce soit contre le terrorisme, contre euh, la, la pédopornographie, contre les pratiques d'optimisation fiscale euh, des géants du numérique. Euh, et euh, sachant que les causes justement euh, pour légiférer contre, euh, contre les abus euh, du numérique sont extrêmement nombreuses et, euh, et justifier un retour à la loi euh, qui est, euh, est aujourd'hui opéré euh, de façon quasi continue en Europe, euh, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, euh, et qui contribue également à tendre euh, les rapports entre gouvernement, société civile et grands, grands opérateurs du numérique.